voyez, des fois, ce n'est pas le démon, mais c'est l'homme. C'est l'être humain. Mais il est inspiré par le démon. Et il est alors incité par le démon qui vit nous opprimant. Et on reste à dire, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de cette personne ? N'oubliez jamais qu'il y a un démon qui utilise les personnes. Le psaume 56,2 dit ceci. Faites-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Et il cherche. Psaume 56, verset 2. C'est très important pour vous, gardez-le pour toujours. Il dit de plus ceci. Sans cesse, ils me font la guerre, ils m'oppriment. Mais vous en faites pas, personne qui lutte contre vous, contre celui qui est dans la main de Dieu, ne veut pas avoir de succès. Et la lutte n'est pas pour que vous la voyiez à terre, sans vie, détruite, non. C'est pour que vous la voyiez repentie, transformée, priant Dieu en esprit et en vérité. Luttez la bonne lutte, car vous allez voir, Dieu va vous utiliser. Pour transformer cette situation, voyez ce témoignage et je reviens. Je ne pouvais pas marcher toute seule. Je marchais si sans canne, sans rien. Maintenant, mais arrivaient les vertiges. Un vertige me saisissait. Et le vertige à présent ? Maintenant, je n'ai plus rien. Nul n'allait en avoir. Gloire à Dieu. Je reviens pour prier pour mes frères maintenant et pour les sœurs, pères. Je prie pour ces personnes. Je détermine, ô Dieu, que toute méchanceté qui s'est dressée contre elles tombe à terre. Que tombe à terre tout démon qui utilise quelqu'un pour toucher ses vies. Et ces personnes, nous les bénissons pour sortir de ces actions du mal. Au nom de Jésus-Christ, soyez une bénédiction et bonne journée.